Allô tout le monde! Fait qu'aujourd'hui, je vous présente ma petite voiture que j'ai convertie pour mon road trip qui s'en vient en novembre. Donc, j'ai mis un lit à l'intérieur. Fait que c'est un lit simple. Non, il est défait un petit peu. Mais c'est un lit simple. Fait que mes jambes, ils s'en vont dans la voiture. Puis j'ai assez d'espace pour pouvoir me retourner latéralement, même s'il y a ce petit truc ici. J'ai mis un organisateur ici que je tasse pour avoir accès à mon angle mort pendant que je conduis. Fait que c'est à ça que ressemble l'espace pour les jambes. Fait que vraiment, je peux m'étendre de tout mon long. Moi, je fais 5 pieds 3. Puis si je m'étends la tête sur mon oreiller, mes pieds, ils touchent un petit peu le fond, mes orteils. Donc c'est parfait comme ça. Je peux me virer sur le côté sans vraiment m'accoter. Donc pour moi, c'est vraiment la grandeur parfaite. Puis c'est ça, dans le fond, j'ai pris un matelas gonflable que j'ai vraiment poussé pour qu'il rentre dans le fond. Je vais vous montrer ça ressemble à quoi de la valise. Fait que voilà, mais en réalité, il dépasse comme ça. Maintenant, je vais vous montrer comment faire le setup puis descendre les bancs au complet parce que moi, ça fait un an et demi que j'ai ma voiture puis j'ai appris seulement récemment que je pouvais descendre les bancs. Donc, pour enlever le banc, il suffit de le lever comme ça puis de le flipper puis il va venir se coller sur le banc à l'avant. Puis ensuite de ça, on vient tirer la languette ici. Puis le banc se descend au complet. Fait que c'est à ça que ça ressemble l'espace. Ça fait vraiment comme un grand plancher. Fait que c'est là-dessus que je mets mon matelas gonflable. Maintenant, pour avoir un peu plus d'intimité, j'ai cousu des rideaux qui vont aller dans les fenêtres arrière que j'ai accrochés avec un système très simple de velcro. Fait que je vais vous montrer ça. Alors, on est présentement dans ma voiture, les portes fermées. J'ai mis dans mon organise tout qui est l'autre bord des rideaux, qui sont en fait des vrais rideaux que j'ai découpés. J'ai fait des coutures puis j'ai collé des velcro sur les deux côtés. Puis j'ai collé des velcro aussi dans ma voiture. Alors voilà, ça me fait un petit peu d'intimité. Donc voilà, c'était la visite de ma Nissan Sentra et comment je l'ai convertie avec un petit lit. Bonne journée!